ça limite rapidement le jeu quand on n'a pas trop nos ballons en touche, qu'on perd beaucoup de ballons au contact ou dans les zones de rec. Donc forcément, le peu de munitions qu'on a pu utiliser, on a essayé de le faire au mieux, même si on rentre quand même pas mal en zone de marque, mais on n'arrive pas à scorer suffisamment, et c'est assez frustrant. On récupère un point de bonus malgré tout, qui fait que on va quand même rester en course dans la compétition, mais il va falloir chercher une victoire en Italie la semaine prochaine. Bah, premièrement, oui, le rugby, quand t'as pas les ballons, c'est un petit peu compliqué. En touche, on perd plus de 50% de ballons, on aura des pénales touches. Les gros points noirs, c'est la touche et le nombre de ballons perdus au contact ou dans les duels. Donc, on n'a pas pu mettre la main sur le ballon, on n'a pas pu enchaîner les temps de jeu. Un point de bonus, si on fait un bilan tête froide, peut-être que c'est pas si mal. Ouais, c'est un autre visage de suite, beaucoup, beaucoup d'envie, de volonté, d'agressivité, de jouer le ballon debout, à l'image de Stessé, qui est plutôt bien amené, mais ça retombe de suite derrière. De suite, on devient de nouveau passif. On est attentiste, on regarde ce qui se passe et on ne devient pas acteur de ce qui se passe sur le terrain.